DJ Stéphane, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, Tafachi Beton, Tangwe Koki, oh yo yo, Tangwango yango yo ye Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, oh ye ye. Bien, merci beaucoup Tango Koki, RDC Tango Koki. Pour tout le peuple congolais, nous sommes là encore de nouveau devant vous, devant vos petits téléphones, devant vos petits écrans, afin de vous donner les informations en temps réel. Nous sommes en direct depuis la ville province de Kinshasa. Vous suivez Tango Koki RDC. Je suis Monsieur Mara Bobo Lamangbali. Je suis analyste politique, mais également communicateur. Nous accompagnons le chef de l'État dans ce combat de la lutte contre l'agression rwandaise sur le plan médiatique. Nous accompagnons également les institutions démocratiquement établies sur le média. Parce que lorsqu'on attaque le chef de l'État, lorsqu'on attaque la République démocratique du Congo, lorsqu'on monte les armées numériques, nous également, nous sommes là pour essayer de répliquer à travers nos stratégies, à travers nos courages, même si le soutien ne vient pas comme nous sommes en train de vouloir pour mieux faire ce travail, mais nous pensons que le soutien que nous avons, c'est le soutien notamment de Dieu Tout-Puissant, le soutien également de notre peuple qui nous encourage chaque jour par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors, ce matin, nous avons beaucoup de choses que nous avons échangées avec vous. D'abord, nous allons commencer par la situation qui se visse dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer un peu de parler avec vous la négociation ou alors les accords, notamment des processus de Luanda, est en danger. Kagame essaye de bloquer les processus de Luanda et nous allons essayer un peu d'analyser avec vous qu'est-ce qui fait que Kagame ne puisse pas signer cet accord qui a été notamment vanté par Joao Lorenzo, le président angolais. Qu'est-ce qui fait que Kagame a lingaté qu'au signer accord Oyoyo? Quels sont les enjeux, quels sont les interdits et quelles sont ses motivations? Alors, qu'est-ce que la République démocratique du Congo a comme disposition pour Nakoluka Ndengenini Yako pousser Kagame non seulement à signer accord, mais également Yakoluka Kobimisa Batroupe Naye sur le sol congolais. Alors, en dehors de cela, Tokomeka un peu Kosolo Labongo, Makambo Etali toujours, processus ya Nairobi, processus Oyozali ya retirer ma troupe rwandaise sur le sol congolais. On apprendrait que Emmanuel Macron azali bongo ko insister et pas na président de la République démocratique du Congo pour na ko dialoguer bongo na ba M23 parce que ba réunion ba kota ki ya Winklo, le président Emmanuel Macron a meka ki bongo ko répondre na question ou izala ki ya Moimbo Kamoko ou atuna ki Emmanuel Macron par rapport ya position ya France sur l'agression rwandaise. Et Emmanuel Macron a meka ki bongo la France a toujours garder position naïe, il y a que 5 à la troupe rwandaise, babima. Mais en dehors de cela, Emmanuel Macron a zali que 5 à la Tshisekedi a dialogué na M23, alors que le président congolais a mekaki kolobayango ou ta Belgique qui il ne va jamais alors dialoguer avec les M23. Tout comme un peu Kosolo là ensemble nabino. Alors autre chose, bazo signaler biso que il y a eu un tête à tête entre le président l'ancien président de la République, notamment Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi Tshabe na niveau ya États-Unis na ville ya New York. Est-ce que Ezali Bongo rencontre moko bazali ko préparer pour na koluka ko sala notamment pression sur Tshisekedi de ne pas reviser la constitution ou alors Ezali rencontre moko pour na ko préparer insurrection Pambate, Mikoleleka qui le chef de l'État, Ameka qui Kolobayango que Kabila azali ko préparer bongo insurrection et que l'alliance ya fleuve Congo ya Nanga ezanangate ezali Kabila. Alors, bienvenue à tous et à toutes sur votre chaîne de Tango Koki. Na pesibino, bon appétit. Alors, bolia yango malamu, pambate ezali déjà bilia ou naza ko pesabino. Peuple congolais biso nyonso toza ko landa processus. Tous ali kolanda volonté ya chef de l'État. Oyo depuis azubo konzi
pona koluka ndenge nini ya ko silisa makambo za koleka na est ya mboka na biso. Le chef de l'état depuis azubo konzi na ebite si encore une partie, si encore un autre côté, si un autre coin oyo ezali na république démocratique du Congo na mabele ya bakoko oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo a consacré bongo ba énergie na ye. A tie bongo penza maele na ye nyoso. A tie bongo ba mwaye nyoso. Pona koluka ko silisa. Makamboza kolekana na est loko la partie à est depuis le mokati du Congo ezali na ebite. Je pense que la situation même eza kolekana na mamobondo awa. La situation ya Kamutu. Chef de l'état a tie vraiment o ba benga kaba énergie. Mais énergie au chef de l'État consacré à la partie à l'Est. Et le qui énergie au yazo tiango na makamouzo le kana Kwamutu, na makamouzo le kana na Mobondo Awa. Ce n'est pas parce que le chef de l'État semble minimiser au yazo le kana Mobondo. Mais c'est parce que le chef de l'État a ça qu'on comprendrait que la situation au yazo le kana Est, elle est plus dangereuse que la situation au yazo le kana Mobondo. Na Mobondo, c'est un conflit au yazali inter-ethnique. Et on peut toutefois appeler les deux communautés ou alors les deux ethnies bah ensemble. Na ébité Jean-Cy Brigitte Kibala, toi bah qu'est-ce qui nous dérange là Jean-Cy Brigitte Kibala? Je ne sais pas moi. Alors bandeko, le chef de l'État azali koluka koyeba ndenge nini tokoki ko silisa makamboza koleka na est. To bandi na processus o ezali chef de l'État a bandi nazo banda na niveau ya moi histoire muka. Et puis, na kota suko na makambo etali, le danger o ezali ya processus ya Luanda. Soit na banda na processus ya Luanda, comme ça, na kosuki sa na histoire. João Lourenço, désigné par l'Union africaine. Ba poni João Lourenço ba yebisye, esengeli o sangisa République démocratique du Congo, et puis o sangisa na Rwanda, ba lukandengeni ba koyuko solo la, pona ko signe ba kor. Ba neutraliser ba force o ezali na parti ya est ya République démocratique du Congo o bazali ko boma o bazali ko piller ba minerai et puis ezali ko déranger la paix na ya stabilité na convivialité et puis na ya ko partager eloko ba bengi ba lien entre les deux pays et puis entre le pays voisin. La République démocratique du Congo, nous sommes les seuls pays na niveau d'Afrique o ezali na ba voisins ebele ezali République démocratique du Congo. Nous avons au moins 9 pays voisins. Alors ce que to bangi na Soudan du Sud, tout ça qu'on a déjà na 10 pays voisins, ou tout ça na bango direct et bi indirect. Peuple congolais, l'accord au Ezali ya processus ya Luanda, Ezali déjà mis en danger. Mais quel est le danger? Nazali coupé Sabino ma révélation. Le danger c'est quoi? La ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, na niveau ya conseil ya sécurité. Le conseil de sécurité de l'ONU va convoquer notamment les deux parties, la partie congolaise avec la partie rwandaise. Ba ebisi bango boya bo pesa biso les avancées, bo pesa biso les niveaux qu'il y a maintenant na makambo etali processus ya Luanda et puis biso conseil à sécurité toye ba na ndenge to koyiko contribuer pendant koluka ko silisa ba hostilité o ezali na partie à est République démocratique du Congo. Chers compatriotes, l'hypocrisie du Rwanda, l'hypocrisie au Ezali à Messi Kagame, au Ezali qui dérangeait même certains compatriotes rwandais, au Ezali comme on a écrit, la République rwandaise, Ezali bongo kokende, na oba bengi la dislocation, Ezali kokende bongo yakoluka ko perdre, même solidarité naye, et puis attention naye vis-à-vis, non seulement la République démocratique du Congo, mais ensemble avec d'autres États. Parce que dans le jour à venir, avec la politique de Messi Kagame à la tête du Rwanda, certains Rwandais, bazali comme on a écrit, Mbokanabango ezali kokende na disparition. Pourquoi j'ai dit que les Rwandais ont kokende na disparition? Parce que bazali comme on a écrit, la politique Oyo Kagame a mémi na niveau ya Rwanda. Ezali politique, ezali koprone, ya bon voisinage, mais ezali ya séparation et puis ezali ya division. Pour Kagame, ezali important ya kokende kokota na Congo ya kozwa ba matière première en même temps bazali ko boma bazali ko pié en même temps azali ko appliquer politique ya koluka ndenge ya ko obtenir loko ba bengi balkanisation. Alors l'Union africaine a bengi monsieur João Lourenço ba désigné ye loko la médiateur na deux parties pona koluka ndenge nini makambo oza koleka na est et sila. Mais awawa
la partie congolaise ba pesi condition to pesa ki condition to bandi na processus o ezali à Nairobi to yé na Burundi mais c'est Kagame asa toujours kondimate ke bitumba na est et ici là. Voilà pourquoi on a dit que l'accord ou alors le processus de Luanda est en danger. Et ce processus est allé saper, est allé saboter par M. Kagame qui ne veulent pas voir que l'hostilité n'a parti à l'Est République démocratique du Congo ici là. Mais pourquoi Zakolinga ici là? Les raisons sont allées économiques, les raisons sont allées commerciales et puis les raisons sont allées expansionnistes et puis marionnettes. Pourquoi les raisons économiques? Mais c'est Kagame a comme on a dit ba matière première au bazali kozwa notamment na Rubaya, au bazali kozwa na Kichanga, au bazali kozwa na Nyiragongo et puis na bamboka misusu wana ezali ko profiter na croissance économique ya Rwanda et puis ezali ko profiter na croissance économique au ezali ya Union européenne et puis ezali ya ba état musu ya États-Unis et puis na ba multinational mususo bazali na niveau ya Europe et puis bazali na niveau ya États-Unis. Chers compatriotes, c'est quelque chose que même moi personnellement j'essaie un peu de réfléchir, j'essaie un peu d'analyser la situation Zakulikana Est. Je me dis c'est comme si M. Kagame pense que en dehors de violer l'intangibilité il y a frontière na biso, en dehors il y a koluka ndenge nini ya koiko yiba ba matière première na mboka na biso, M. Kagame ne trouve pas une autre raison pour na ko tombola mboka na et puis ko développer le Rwanda. La seule raison pour le développement du Rwanda, c'est ce qu'on appelle le pillage, notamment des ressources naturelles de notre pays, mais également la violation des principes de l'intangibilité de nos frontières, mais aussi des principes, notamment des respects des droits de l'homme en la matière, notamment entre les deux pays. Raison pour laquelle M. Kagame a zali ko keneko sapé au babengi accord au ezali ya processus ya Rwanda. La ministre des Affaires étrangères congolaise Nazali d'abord ko saluer Moussala Oyo, madame la ministre Asali. Vraiment bravo, bravo et pas na madame la ministre Kaikwamba Moussala Osali na niveau ya conseil ya sécurité ya ONU. Nous avons encore des congolaises. Tozali encore na bande ko na biso ya basi ba mama oyo bazali capable oyo bakoyi ko bundela mboka na biso. Voilà encore une autre voie de la République démocratique du Congo. Voilà encore une autre voie sur le plan diplomatique, sur le plan des affaires étrangères oyo ministre na biso akeyi ko étalé. Ministre Alobi, on n'avait pas besoin yako étaler ba révélation oyo. On n'avait pas besoin d'étaler toutes ces vérités pour les respects vis-à-vis que la République démocratique du Congo en a su la personne de João Lourenço. Ça veut dire que M. Kagame n'a aucun respect sur M. João Lourenço. M. Kagame n'a aucun respect sur la volonté de l'Union africaine de désigner João Lourenço, le président angolais, d'être le médiateur dans les conflits qui se visent dans la partie Est République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que la ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, va aller dans le sens yako étalé ba révélation na ba vérité nyonso o eza ko lekana na processus o ezali ya Luanda. Ezala ki na deux options o bazwa ki pona ko silisa bitumba na Est République démocratique du Congo. La première option c'était le plan de neutralisation de FDLR. Oyo République démocratique du Congo to sangisa ki ba experts régionaux, to sangisa ki ba experts na niveau ya sous-région, to sangisa ki ba experts na niveau mondial, to sangisa ki ba experts na niveau africain. Et c'est ce qui a fait que to mettre en place o ba bengi plan ya neutralisation et puis ya koluka ko bouter libanda ba élément o ba bengi ya FDLR. Mais un autre plan oyo biso tozwa ki République démocratique du Congo ezala ki ya ko exiger le retrait o ezala ki ya M23 sur le sol congolais parce que M. Kagame aza ko justifier la présence notamment ya ba FDLR, la présence ya armée naye sur le sol congolais que il y a soi-disant entre guillemets le FDLR au bazali ba Hutu au ba Kimakuna ba ya kuvanda na Congo ba lukaka ndenge nini bazonga kuna po ba kende kubimisa ye na bokonzi et puis bazwa ba lukaka ko gérer bongo mboka ya Rwanda. Lokola ba Hutu bazali na ba trait na ba congolais, lokola ba Hutu bazali na ba trait na ba bantu, alors lui
qui est touti, qui est notamment avec des traits naba touti, à zomona e ke ekozaramala mouté pour un régime naïe, d'où il faut aller maintenant combattre les FDL sur le sol congolais. Mais malheureusement, plan oignon so oba présenta qui na table à négociation ya processus ya Luanda, Mese Kagame a boi yango. Et Mese Kagame a pesi raison moussousou. Échappatoire, une raison de l'échappatoire que Mese Kagame aurait donné, que Mese Kagame avait donné, c'était avant que son armée puisse quitter le sol congolais, avant qu'il puisse retirer ses troupes sur le sol congolais. Il demande à ce que le gouvernement congolais, ensemble avec la SADC, ensemble avec l'Union européenne, ensemble avec l'Union africaine, pardon, ensemble avec les forces vives au sein de l'Union africaine, puisse d'abord neutraliser les FDL et ensuite lui, il va demander à ce que sa force qui est sur le sol congolais, Babi Mabongo, la République démocratique du Congo. Et la ministre des Affaires étrangères a étalé la vérité au Nyonso. Et le conseil ya sécurité ya ONI ba zui bon note ba yebi ko yebi salame se Kagame et que ba luka moyen ba neutraliser force wana. Alors Kagame lo koni ne salie ke akende ko wangala ko boya ko signé accord parce que Joao Lourenço il y a pas plus longtemps na assemblée générale ya ONI Joao Lourenço le bien que je suis un homme erré. Nous sommes très heureux sur le plan politique, sur le plan, il y a médiation, de trouver un accord, faire signer entre les deux parties, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais malheureusement pour Joao Lourenço, il a obtenu cet accord, non par rapport à la volonté du Rwanda, mais par rapport à la volonté de la République démocratique du Congo, Yakobo Nae Kebitumba, Este Sanini, Estila. Et M. Kagame, Azali Kokende Kobo, Yako respecte même son homologue ou Izali président angolais. Chers compatriotes, comment Bissot ba imboka tokondimaye ke Kagame asakara na biso bo comment tokokende kondimaye ke tozala humilié tout un état comme ça. Nous sommes à plus de 120 millions d'habitants, nous avons 145 territoires, notre superficie de la République démocratique du Congo ezali à 2 345 410 km², nous avons la forêt équatoriale o ezali ko lutter contre les dérèglements climatiques. Aux alliés qui ont lutté contre Makambo et Talivoa, même un changement climatique à l'époque de Mabandaye Kobenga. Nous avons des rivières, nous avons les fleuves Congo, nous avons les gens. Tozalina Baimboka, Oba Tangi, Ba Congolais, nous sommes partout. Tozalina armée, Tozalina la police, Tozalina service en renseignement. Nous avons notre budget, Tozalina chef de l'État, Tozalina Ba institution. Mais comment Tozoko Kende Kokokate, Kobunda, Tozako Kende Kokokate, déférer au long qu'on va bengi Monsieur Kagame et son régime. Est-ce que ce n'est pas important et pas dans le chef de l'État Yakolukape to mettre en place une armée au Kokenebego vanda nanu na Rwanda? Nous devons le faire. Nous devons maintenant réfléchir dans le sens de pousser maintenant Monsieur Kagame à respecter les accords que nous, la République démocratique du Congo, nous acceptons de faire partie. Parce que la politique, oh, ezali yako siplié, ezali jusqu'au simbaté. Nous sommes allés de négociation en négociation. Nous sommes allés à Nairobi. Nous sommes allés au Burundi. Nous sommes allés, je ne sais pas moi, na niveau ya Tanzanie. Nous sommes allés à niveau ya Kenya. Tokei partout. Le chef de l'État depuis Bokozinaye. Le chef de l'État a sali politique de grandes envergures. Où il y a eu des forces de Tanzaniens, les forces de Burundais, et puis une force il y a Kenya. Tolongo a le chef de l'État a salé le Kuba Bengaka la mutualisation. Oezala qui a force entre la République démocratique du Congo à travers nos FARDC ainsi que les IPDF de l'Ouganda. Nous avons quitté là-bas. En dehors de la politique sur les grandes envergures, nous avons accepté de signer un accord militaire entre les IPDF, qui est la force ougandaise,
mais également avec les FARDC afin de traquer les ADF Nalou, mais également de continuer aussi à traquer une partie des M23 et d'autres groupes au sein notamment du sol congolais. Le chef de l'État a signé encore ce qu'on appelle l'état de siège en demandant l'autorisation à travers l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a signé ce qu'on appelle notre accord afin de participer et être partie prenante avec l'EAC. Nous avons accepté de signer, de ramener ce qu'on appelle dans notre pays la force de la SADC. En dehors de cela, on avait la MONUSCO. Mais toutes ces politiques-là, les gens disent que Tshisekedi n'arrive pas toujours à mettre fin à la guerre qui sévise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais problème est Moussou Sezalini. Raison est Zali, Kagame est soutenu par une force étrangère. Mais quelle est cette force étrangère? Nous avons l'Union européenne. Nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons la Belgique, nous avons la Suède, nous avons la Pologne. Ba peyo wana bazali ko soutenir Kagame pour na koluka ndenge nini Brigaji comment il s'appelle le chef de l'État Asilisa Bitumba o ezali na parti à est de la République démocratique du Congo. Jean-Cyr Brigitte Kibala. Qu'est-ce qui se passe là-bas Jean-Cyr Brigitte Kibala? Makamouza koleka na est Jean-Cyr Brigitte Kibala. Est-ce que yo ezali ko comprendre ce qui se passe à l'est? Maman Sophie Kiboba, qu'est-ce que nous devons faire cette fois-ci pour nous traquer maintenant Kagame? Kagame a boy l'accord où ils allaient à processus à Luanda. Chers compatriotes, Joël Lorenzo, dans la minute de Toloba, Azad Dussi, Azad pour comprendre qu'est-ce qu'il va faire pour nous traquer maintenant. Parce que Joël Lorenzo a bêta qui tolo, a l'obéi qui n'a eu accord. Oyo Kagame na Tshisekedi bako signer et tikalai kaka ba choisi endroit na date na na mukolo oyo bako ko kende ba signer accord wana mais monsieur Kagame a bimisi raison mususu to yebisa ki bino la fois passée c'est moi qui vous avais dit, je vous ai dit que Kagame ne va pas accepter de signer cet accord parce que Kagame a signé cet accord, il va se mettre devant un mur, il va se mettre devant un fait accompli. Et la seule façon de pousser Kagame à signer cet accord, à sortir ses troupes sur le sol congolais, c'est aussi d'aller violer les territoires rwandais. Nous devons maintenant aller violer les territoires rwandais. Toi, tu n'as pas besoin de l'ambition, tu n'as pas besoin de l'ambition, Rwanda, tu n'as pas même attaque pendant une semaine. Et toi, tu as maintenant attitude à M. Kagame. On ne peut pas commencer toujours à pleurnicher. Non, voilà, et Kagame n'arrive pas toujours à quitter notre sol. Kagame est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Kagame, non, trop, c'est trop, trop, c'est trop. Batinda penano, basoda na biso, même si elle est wazalendo, bake ne peut pas kota nano. Ce qui va kota na Rubaya, ba kota. Ce qui va kota même na Kigali, ba kota. Ce que tu rondis ma to koufa na Rwanda, to koufa pourvu que to zwana une solution ya makam o ezali ya kolega na est na mboka na biso. Ce n'est plus un dossier politique et comme il suko likambo ya force militaire. Une grande nation, un grand pays, tel que la République démocratique du Congo, le pays de Tshisekedi wa Mulumba. Le pays de Emery Patrice Lumumba. Lumumba qui faisait trembler les blancs. Est-ce que Kagame avait le pouvoir que Lumumba avait avant l'indépendance? Est-ce que Kagame avait la force dans les discours, l'intelligence que Lumumba avait? Est-ce que Kagame en avait? Est-ce que Kagame avait la force que Mobutu avait à l'époque? Les Loyo, les Congo, nous sommes victimes de l'hospitalité que nous avons accepté de prendre les FDL à travers le génocide de Salamaki à 94 pour Nabiso et les hauts commissariats pour les réfugiés. Ils ont obligé à Mobutu à fouler la frontière, mais Tala Léo Makamoto comme ça. Donc pendant 30 ans, Kagame Azako continue à démanteler, à neutraliser les FDL. Bosco Ntaganda est arrivé sur le sol congolais. Avec une seule raison, nous cherchons comment traquer le FDL. Bosco Ntaganda est parti. Nous avons connu celui qu'on appelle Laura Kunda. Laura Kunda est arrivé. Oh non, nous sommes venus. Notre présence sur le Congo, c'est pour chercher à traquer le FDL qui veulent renverser le régime de Kagame.
Kabila est arrivé en signant des accords parfois aussi naïfs avec les M23. Kabila a signé accord 1 avec les M23-1. Il a signé l'accord 2 avec les M23 pourvu que Kagame, son régime ne soit pas dérangé. Kabila est parti. Les M23, oui, certainement, les M23, bah, y a qu'en Congo. Les M23, lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir, ils étaient ici. Hôtel M23 avant Nakinango, et ça, hôtel, il y a James Kabarebe. C'est un hôtel ici, et ça, dans Gombe. Oh! Et cet hôtel, bah, Rwandais, n'a pas M23, bah, Vandawana. Le Kola Nenge Zalaka, lorsqu'un chef de l'État arrive au pouvoir, il y a toujours un groupe de personnes qui viennent pour faire le lobby afin que leurs problèmes puissent trouver des solutions. Et lorsque les M23 étaient venus ici, ils ont fait des audiences chaque jour. Ils envoyaient des gens pour aller demander que les chefs de l'État puissent les accueillir. Mais heureusement que les chefs de l'État, béton de la République, l'aigle africain, n'avaient pas accepté de recevoir les M23. Même les gens là de l'opposition qui disent non, les M23 étaient ici, ils ont fait 90 jours. Oui, ils avaient fait 90 jours. Mais est-ce que les chefs de l'État les avaient reçus? Non. Les chefs de l'État avaient catégoriquement refusé de recevoir les M23. Parce que dans l'agenda, dans les cahiers des charges des M23, ils avaient demandé ce qu'on appelle. D'abord, il faut qu'il y ait 7000 personnes qui vont entourer la sécurité des chefs de l'État. Et il faut qu'il y ait plus de 7000 encore qui devaient intégrer l'armée, la police ainsi que la sécurité et 5000 qui devaient intégrer le gouvernement. Et c'est comme ça que le chef de l'État avait dit non, ce n'est pas moi qui avais signé les accords avec vous, c'est M. Kabila, alors il faut suivre Kabila. C'est comme ça que les M23 vont quitter maintenant notre capitale et ils vont aller maintenant dans la montagne de Fizi, à partir, de l'Est là-bas, et ils vont commencer maintenant à faire les chantages et la pression afin de faire tomber la ville de Goma et pousser à Tshisekedi de recevoir et d'accepter leurs accords. Et jusqu'aujourd'hui, les bazar vont continuer de travailler. Peuple congolais, l'accord, au Ezala qui a processus, il y a Luanda, Ezali sapé, Kagame a co-signé en haut le société et Kagame a beau co-signé en haut pambaté à l'objet qu'il faut d'abord neutraliser les FDLR, il faut d'abord neutraliser Bango comme ça pour retirer ma troupe naï. Donc, la réponse de Kagame, c'est une façon de dire à Tshisekedi que je suis prêt de combattre pour toi. Je suis prêt de combattre contre ton armée. Joseph Kabila, avec Moïse Katumbi, il semblerait, selon ma information aujourd'hui, Bakutani na niveau ya États-Unis. Bakutani ponani. Et quelles sont les motivations aux alliés à rencontrer tête à tête entre Kabila na entre Kabila na Moïse Katumbi. Katumbi a bimia wawa. Katumbi a bimia wawa. Un leader ne fuit jamais les tempêtes. Un leader ne fuit jamais les tempêtes. Katumbi, vous êtes quel genre de leader? Était-ce qu'il ne fuyait pas les tempêtes que Mobutu lui faisait? Lumumba n'avait pas fui les tempêtes. Même Bakanza, face à Longangé, je préfère un Bakanza qu'un Moïse Katumbi. Ça, je vous dis la vérité. Je préfère un Bakanza face à Longangé qu'un Moïse Katumbi face à Tshisekedi. La moindre menace que Katumbi serait interpellé pour avoir réhabilité l'aérodrome, Katumbi a pris fuite. Et à Kimi, à Kewapi, à Ke États-Unis. Mais Sikoyo, Mboka Oyo Katumbi Azako Lingake a dirigé. Mboka Oyo Tonda ba problème Oyo. Ma problème, tu sais que j'ai le kanango. Est-ce que Katumbi a okoka? Un leader ne fuit pas. L'idée à qui m'a raté? Je préfère même un Martin Fayulu qu'un Katumbi. Ça, je vous dis la vérité. Je préfère même un Martin Fayulu qu'un Katumbi. Parce que Martin Fayulu, jusqu'à présent, même Idriss Déby qui est en exil, Fayulu a zala en haut.
Madidi. Ndeba benga kaye le soldat du peuple. Madidi ako okimata. C'est ça être un opposant. Yo opposition na yo. D'abord, nana tinda ki yo okende koto ko réhabilité aérodrome wana. Yo moko, mbongo moko sa, mbongo ebele, mbongo ele ki so indenga nini, ok ko réhabilité aérodrome. Basali yo menace, batinde li yo demi-ap, ba kei ba longoli ba tuwana basala ki moussana na aéroport, nani na aérodrome wana, et ensuite basali yo ka menace, et puis la menace des réseaux sociaux. Zambé langai kolo la bolingo. Seigneur Jésus, à la politique. On doit laisser la politique aux politiciens. Nous, nous sommes ceux qui se sont bâtis pour pouvoir avoir ce qu'on appelle l'état de droit dans ces pays. Nous sommes ceux qui ont combattu aux côtés de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Je suis très fier, moi Mara Bobola, d'être appelé combattant de l'IDPS. Aujourd'hui, moi, Mara Bobola, même si j'ai dit de tourner ma canot contre Tshisekedi, je ne peux pas avoir peur de Tshisekedi. Même si aujourd'hui, j'ai dit, je veux maintenant l'opposition, je ne peux pas accepter de fuir le combat contre Tshisekedi. Je veux l'affronter, que la prison vienne, que la mort, je veux accepter ça. Parce que être un leader, être un état, comment on appelle ça, un homme d'état, c'est aussi d'accepter d'affronter la justice. C'est aussi d'accepter d'affronter les tempêtes. Mais Katumbi, il est le genre de quel leader? Donc, esprit à Kabila, na ya Katumbi, n'enye moko. Tu sais que d'alobé a que Kabila a préparé insurrection. Kabila tika li na poto. Nzambe na lola. Yo ba kizeo kaka ki ozo préparé insurrection. Kabila tikali na poto. Alongwe Namibia. Namibia za pemenya. Ba yo tinde langa batu. Kabila akeyi Afrique du Sud. Kabila komi ko kende go lela 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 lela. E pa na ba Louis Michel. Non voilà. Tshisekedi alinga bomangai. Tshisekedi alinga kangisangai. Biloko nangai zana kisasa. Bandaku nangai. Bambongo nangai. Mais non. Mais non, et l'idée ne s'acharne pas. Et l'idée à qui m'a tempête. Voilà pourquoi, moi je l'ai toujours dit, même si l'idée pèse, même si l'idée pèse, ne m'a même pas donné une chemise à travers mes états. Mais je suis très fier d'appartenir à cette formation politique. Parce qu'avec la formation de l'idée pèse, moi seul, je peux affronter même un président en place. Je suis capable. Avec la formation que moi, Mara Bobola, n'a su à mon IDPS. Katumbi Yewana, simple menace, il y a réseaux sociaux. Au nom, Bakou Kangaye, pour infraction ou Yassali, a créé ou réhabilité aérodrome. Il n'y a pas de document là-dessus. Il devait attendre l'autorisation. Katumbi, tout la moussi Yazaza. Akimi Wapi, Akimi les États-Unis. Et Awa Toza Koloba, Awa Awa, Asunoli parti politique naï. Maintenant, les jeunes gens, oh, vous avez ça, la déclaration, Wana. Au nom la Ligue des Jeunes, de l'Assemblée pour la République, au nom Fédération telle, nous disons non à toute tentative de chercher à toucher à la personne de Moïse Katumbi. Nous disons ça. Mais moi, je ne comprends pas comment vous allez commencer à accepter d'être manipulé jusqu'à à ce niveau. On fait des déclarations avec l'idée qui assigne. Kabundi est en prison. Kabundi est en boloko. Kabundi devait aussi fouiller. Après la déclaration, le point de presse de Jamal Kabunda Kabunda, 520 gigas. Vous avez la formation à IDPS. IDPS, qui m'a tempête, au tiers. Kabunda est en prison. Kabunda est en prison. Excusez-moi. Kabunda est en justice. Bakangaye. Kabunda est en prison. Azo pilgé. Mais Katumbi, moindre menace, il y a réseaux sociaux. Tout la mousse, il y a Zaza. Tout l'amour s'y a zaza. Et nous demandons que le char, notamment de leader de l'opposition, que M. Katumbi est en train de former. Katumbi et Kabila, même esprit. Katumbi et Kabila, même esprit. Tu sais que Kabila est égal à Nanga. Et l'abcès de Nanga, c'est Kabila.
Et Kabila est en train de préparer l'insurrection. Kabila tikali na poto. Akiyoko luka bato ba sala ki azwa bokunzi ba lui Michel na Belgique. Kofunda Tshisekedi. Kotinde la ambassadeur awa wa ba kudana Tshisekedi ba sola. Katumbi yomoko ozumbongo okeyi ko sala eloko ba bengi aérodrome o réhabilité nana tinda kiyo. Nana tinda kiyo. Okokite menace à réseaux sociaux ba ko interpeller 10 ans de prison soki 12 mois okumbi avion pa mbangu obimi okeyi. Otiki maintenant batuna yo. Kikuni oyo bandai ko tinda. Pour qu'elle ne sala pas, il y a une citation tribale. Kikuni tiki écoute na prison. Je préfère même un Kikuni. Je préfère même un Kikuni. Quel genre de leader que Moïse Katumbi a tani na yango? Leadership nini yo Katumbi a zago pesa? Leader a qui marata? Leader a qui marata? Bon, ça la marche à wawa. Moi, gaz à mouke, ta la e belé a ba bleban na moutou. Eh, nzambe. Bleban wana, na tika la gomona wote. Na ebite soke tien na bandai ko tchaba bleban. Na ebite soke tien tisike na bandai ko tchaba bleban. Tête à tête, Kabila, Katumbi, na États-Unis. Maintenant, awa, to zongi siko na oba bengaka le plan B. Maintenant, ce n'est plus le plan B. C'est maintenant le plan C. On a renversé le plan. Nengezalaki à l'époque, Tshisekedi na Katumbi, bakutani pour na ko combattre Kabila. Maintenant, cette fois-ci, Kabila na Katumbi bakutani maintenant pour na combattre nani ko combattre Tshisekedi. C'est ça maintenant le plan. Lorsque Katumbi croise Kabila à l'étranger, mais le plan c'est quoi? Le plan c'est de renverser le régime de Tshisekedi. Comme Katumbi avait appuyé Tshisekedi avant les élections de 2018, à l'époque Katumbi était en exil. Et ils ont combattu Kabila. Kabila est parti. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir. Et maintenant, Katumbi, qui est spécialiste de soutenir les opposants avec l'argent, qui a toujours volé pendant qu'il était gouverneur dans la province du Katanga, il va chercher maintenant à se coaliser avec Kabila, enfin maintenant de faire tomber Tshisekedi. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas avec l'argument de la force, mais ça sera maintenant avec la force de l'argument. Parce que IDPS, nous sommes au pouvoir grâce à ce que le leader Diabanza a toujours dit, c'est par rapport à la force de l'argument et non par rapport à l'argument de la force. C'est deux choses différentes. Ce sont des langages philosophiques. J'ai sali notamment les leaders de Matete, de Mwamba, les leaders Diabanza. Les loyaux, tu me dis bien, et les loyaux, Kabila na Katumbi bakuta en États-Unis pendant que Luka ndenge maza ko réfléchir pendant que koisa Félix Tshisekedi. Est-ce que bakoya na rébellion parce que déjà Kabila aza déjà na nanga. Le chef de l'État a le dit et nanga aza na minduki et Kabila soka kuta ni na Katumbi. Ça veut dire que bakosangisa ba moyen ba pesa nanga pona nini baluka bakoisa Tshisekedi tozonga suko na régime na bango ezalaka ya AFDL. La Fidèle n'avait pas eu le pouvoir à travers la démocratie. Que personne ne vous trompe. La Fidèle avait eu le pouvoir à travers les armes. Et tous les descendants de la Fidèle chercheront toujours comment avoir le pouvoir par les mêmes chemins, c'est à travers les armes. Et les descendants de la Fidèle, c'est quoi? C'est le PPRD, c'est le RCD, tout et la Fidèle Nanga. Même Nanga, il est aussi le descendant de la Fidèle. Voilà pourquoi ils comprennent que Tshisekedi dans sa logique de chercher à asseoir et à conserver ses pouvoirs. Si nous venons avec cette voie de combattre Tshisekedi démocratiquement, nous n'aurons pas ce pouvoir. Maintenant, il faut rentrer à notre premier combat. Il faut revenir à notre socle de combattre Tshisekedi par la voie des armes et chercher comment revenir au pouvoir. Le PPRD n'a pas la logique de combattre Tshisekedi démocratiquement. Ce qu'il faut sur les médias, c'est les mascaras. Leur énergie est beaucoup plus placée dans l'AFC de Messinanga. D'ailleurs, ils se posent beaucoup de questions. Ils disent, mais Nanga n'avance plus, pourquoi? Si Nanga avance, et ils sont contents. Quand on en voit dans les images, lorsque le PPRD, lorsque Nanga est en train d'avancer, les membres du PPRD et de l'AFC, ils sont contents. Mais quand ils suivent que Nanga a été repoussé, quand ils suivent que le chef de l'État est en train de dénoncer l'insurrection que Kabila est en train de menacer, quand ils suivent que Nanga est déféré devant la justice, et ils sont mal à l'aise.
parce que ce sont les enfants qui héritent le pouvoir, pas les armes. Mais nous, lui, des Perses, nous sommes ceux qui se sont bâtis dans la rue. Nous avons eu le pouvoir. Et pour avoir gagné le pouvoir, aujourd'hui, pour Botoula, il dépasse le pouvoir. Il faut y avoir un balabala. Oh là, qui se force, Nayon. Est-ce que, Pierrot, on peut avancer un peu? On peut avancer un peu, Pierrot. Bon, ma pessinga le susu, 2 minutes. 2 minutes, nan gambo ebinga na zaraka, Maradona. So, ma pessinga 2 minutes, nan gata y additionnel. Na beta rapas que na ebi ketoua en temps additionnel, il faut na marquer, to égaliser et puis to zonga na classement. Alors, Emmanuel Macron a zo insisté, il faut Tshisekedi. A solulana M23. Mais pourquoi Emmanuel Macron a zo insisté, il faut Tshisekedi a solulana M23? C'est pour des raisons économiques. Parce que Emmanuel Macron a yabi ke, so ki Tshisekedi a solulina M23. Les M23 ne vont plus déranger Tshisekedi, mais les M23 vont continuer maintenant à exploiter les ressources de notre pays de manière officielle et tranquillement. Cette fois-là, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de violations, il n'y aura pas de guerre, mais les M23 continueront à surexploiter les minéraux de la République démocratique du Congo. Et ça va continuer à soutenir la croissance économique aux Ali Anani et à France. Voilà la raison. Oyoyo Emmanuel Macron azako senga Tshisekedi a solona M23. Mais est-ce que chef de l'État kondimango? Parce que chef de l'État lobie ki ako solola ka mokolo mokote. Ata mokolo mokote. Ata nandoto. Soki M23 ye ko solona Tshisekedi bako solola te. Même dans le songe, lorsque les M23 viendront solliciter les dialogues avec les chefs de l'État, le chef de l'État l'a dit, il ne va pas dialoguer avec M23. J'ai suivi un membre du PPRD, j'ai suivi un membre du FCC, disant que en politique, on ne dit jamais. Mais le fait pour le président congolais de dire qu'il ne pourra jamais dialoguer avec les M23, c'était déjà un échec patent de la part du chef de l'État. Mais je vais répondre à chers compatriotes ici. Je vais répondre à ce membre de l'APC de Nanga. Il n'est pas le membre du PPRD. Que lorsqu'un président de la République s'exprime, c'est l'ensemble des services de renseignement, c'est l'ensemble des services de sécurité, c'est la diplomatie, notamment c'est le gouvernement, c'est les institutions qui s'expriment à travers la bouche du président de la République. Les raisons pour le chef de l'État de ne pas dialoguer avec les M23 sont des raisons louables. Et nous, peuple congolais, nous sommes tout à fait d'accord de la position du chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec les rebelles pour qu'on finisse, qu'on puisse les intégrer au sein de l'armée, qu'on puisse les intégrer au sein de l'administration, qu'on puisse les intégrer au sein des renseignements. Ça ne va plus passer. Même la Russie qui combat l'Ukraine, si aujourd'hui la Russie accepte de dialoguer avec l'Ukraine afin de cesser les hostilités, la Russie ne peut jamais accepter qu'il y ait des Ukrainiens. Qu'on puisse les intégrer au sein de l'armée russe. Ça ne peut jamais se faire. Même les États-Unis ne pourront jamais accepter ça. Mais quelle est cette armée au monde? Oyoyo, Balungaka, armée na bango et banta. Mais en même temps, baza ko linga ko collaborer, ko linga, ba sangisa bango loko la mbinzo, na ba armement mosusu. Ça ne peut jamais se faire. Même M. Kagame, pourquoi ça ko linga ko soana ba FDLR? Parce qu'il y a dit que le dialogue avec les FDLR, c'est un dialogue qui va permettre au FDLR d'entrer dans ce régime et puis à quoi sa régime naï. Le chef de l'État garde sa position de ne pas dialoguer et causer échanger avec les M23. Ezala ki esengo mingi yako luka yako échanger na bino mokona lelo. Je pense que actualité en continu na tango ekoki reste toujours branché et reste toujours en train de soutenir la vision du chef de l'État. Restez toujours branché na tango ekoki et tokoya mikolo ezali koya pour na kopesa bino ba information en temps réel et sombele suka bisanga. Bon, le bon souka nini, bon complété, dans vos commentaires et bye. Tango ekoki yo yo yo.